Oui.
Thank you.
Arrête-toi, arrête-toi. Il est où? Il arrive. Nous attendons qu'il s'installe pour que je vous déroule, n'est-ce pas, le programme de la cérémonie qui va se dérouler tout à l'heure. Les membres de la délégation. Délégation. Il faut dire un peu de ce qu'on a appris.
Thank you.
C'est à mettre à l'actif du peuple Ticard et de vos autres, surtout de la chiffrerie, maritime. Tu nous as aussi tout sensibilisé de votre passage ici. Naturellement, comme c'est un peuple très hospitalier, naturellement, c'est pour ça qu'ils se sont mobilisés. Donc, vous êtes le bienvenu, vous et votre suite. Merci. Alors concrètement, la visite porte sur quoi? C'est par rapport à la condition de la chefferie, dans les Ticards. Ça fait quelques mois que j'ai reçu une invitation qui m'a parlé du projet de la chefferie. Qui était lancé, et puis on m'a présenté aussi les photos, les travaux qui avaient été réalisés. Et il y a eu une sollicitation de participation. J'avais connu venir depuis, mais à la fin de l'année, c'est les périodes qui sont les plus occupées. Et j'étais en déplacement, je suis rentré, ça faisait 3 jours. Quand l'année a commencé, si je ne tenais pas la promesse maintenant, je serais encore plus tard l'année prochaine. Donc, je suis venu pour voir que je ne peux plus mettre de pouce. Merci d'avoir été sensible à ce projet qui fera davantage la fierté de l'arrondissement, de la Côte-Chicard, parce que c'est un bâtiment très impressionnant, c'est un vaste projet que le chef a initié. Et si ça a pu susciter votre sensibilité, là où vous êtes, ça nous va tout droit au cœur. Ça nous va tout droit au cœur parce que, comme j'ai dit, c'est un projet
qui à la base, c'est vrai, était porté par, par le chef de la, la communauté psychiatrique de Bakin, mais qui va forcément changer le paysage de l'arrondissement. On voit un peu les retombées touristiques aussi, parce que on manque des espaces comme cela pour faire visiter un bâtiment comme celui-là. La poursuite du chef. Il va certainement aussi continuer de nous appuyer dans le cadre de nos missions d'accompagnement des populations. Donc, c'est une très bonne chose. Nous apprécions cela à sa juste valeur et nous allons rendre compte de vos actions citoyennes. Merci. Cela aussi pour toucher les autres, les autres Camerounais, les autres personnes de bonne volonté, comme vous. Ce qu'on attend de notre pays, que notre souverain n'est pas pour construire. On attend de tous. Merci. Moi, je ne pourrais pas, parce qu'il a souhaité que je sois là-bas, mais j'ai un travail très urgent que le patron m'a demandé. On a des petits soucis de lumière ici et là. Ça a l'air à peine de revenir là. J'ai un rapport très très urgent sur la situation des médailles pour le compte du 20 mai 2024. Je suis un peu en retard. Je suis un peu en retard parce qu'on leur met la pression de la chancellerie. En principe, on devait rendre les copies avant le 31 décembre. Mais comme effectivement, même à notre niveau, c'est des périodes où on est sollicité en termes d'activité de clôture et ceci. Donc, là, le patron m'a sonné et j'ai sollicité l'indulgence du chef. Peut-être je crois que mon adjoint va vous accompagner là-bas. Parce qu'il a souhaité qu'on soit là parce qu'il aime bien qu'on soit toujours ensemble. Il aime bien, mais bon, je crois que mon adjoint est là. Je ne vous ai peut-être pas présenté, ce sont des responsables de sécurité là, qui vous accompagnent ici. Donc, ce sont eux qui nous accompagnent pour vous rassurer de votre séjour. Oui. Peut-être j'allais témoigner que Banki m'est calme. Que Banki m'est calme, l'État est bien présent. Calme et hospitalier. Voilà. Donc, nous pouvons donc être davantage ambassadeurs là-bas pour que vous passer pour parler de Banki. Merci encore. Merci. Merci. Je pense que nous sommes satisfaits agréablement, je suis prêt. Le protocole d'accueil, l'organisation, la discipline. On avait dit, quand j'ai vu les photos du palais, j'ai loué cet esprit pionnier, en tous les cas, parce que je pense que le chef n'était pas obligé d'entreprendre la construction d'un monument aussi mastodonte et gigantesque. Mais ce qu'il a fait, ce sont des signes de personnes visionnaires qui pensent plus à la communauté, plus à l'image à refléter, à réverbérer dans la société qu'à soi-même. Donc, moi, ça a été une obligation morale. Déjà que je suis du côté maternel, je suis cadre. Ah bon? Voilà. Ah. Ça, ma mère, l'indicat. Ah, ok. Ma grande était de banquier, je crois. Okay. Mon papa, lui, est fourbé de garçon. Oh. Voilà. D'accord. Donc, ça fait que j'ai fait la scie, le sec à ma part. Ah. Avant de retourner chez garçon. Ok. Mais voilà, vous êtes à la racine, là. Voilà. Vous êtes à la source. Donc, pour moi, c'était important de participer, pour encourager de telles initiatives. On a eu d'autres initiatives dans l'infanterie, par exemple à Matar. Je pense pendant 3 ou 4 ans, nous avons payé, donné des bourses d'études à tous les élèves de 6e. C'est-à-dire que c'est nous qui avons payé l'entrée en 6e, le CPE, les parents ne payaient pas. Mais je pense que j'ai fait ça pendant 3 ans. Et le suivi aussi des étudiants de MACPA qui avaient le bac, qui venaient à Yaoundé. Donc là, je me chargeais de les aider à les inscrire à l'université.
moi, le but, c'était d'aider les parents dans la pratique à comprendre l'éducation des élèves, c'est très important. L'école, aujourd'hui, c'est pas une condition sine qua non d'intégration sociale, que ce soit sur le plan national ou international. Donc, ces actes-là, nous les posons juste pour encourager déjà ceux qui ont eu cette pensée-là ici. Et puis parler aussi aux parents. Parce que je pense que la plaine Tika, les Tika, nous avons besoin de marquer notre génération. On a besoin des élites, des personnes qui sortent. Donc on va comparer au super national et international qui émerge. Et pour cela, il faut investir dans la jeunesse. Tout à fait. Enfin, d'accord, merci. C'est bon à savoir. Mm-hmm. Vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous, ça c'est bien. Je n'avais pas ce détail. Ah, non, je suis là. Ok, d'accord. Mais vous êtes avec une forte délégation aussi, vous aussi, donc c'est normal que vous soyez là. Ok, vous avez une forte équipe là. Une forte équipe qui vous accompagne. D'accord. Peut-être on va. Peut-être avoir une photo. D'accord. Okay, merci. Est-ce que c'est tout? Ça va? Ça on va se placer pour la photo.
Après avoir grandi, visite au chef de terre, on devient catégorie. Et là, en grandeur nature, le prophète qui foule le sol de Bakim. Bon, je vous présente, n'est-ce pas, le projet du programme de la cérémonie de tout à l'heure. Tout à l'heure, ce sera d'abord la prière. Et cette prière sera dite par un notable de la place. Après, on va faire place à l'intervêt. Après l'intervêt, ce sera le mot de bienvenue. Et ce mot de bienvenue, ça sera par un des notables. Après, on va suivre, on va continuer avec le bienvenue, toujours avec cette danse qui passe tout à l'heure. Bien après, ça sera, on va vous remettre là. Vous allez intervenir deux fois. Dès que vous prenez la parole, juste après vous, on remet la parole à Sa Majesté. Et après la parole de Sa Majesté, ça sera l'intermède. Après l'intermède, on va vous remettre la parole pour la prière et la bénédiction finale. Et pour eux qui auront portail là-bas, au niveau du balcon. Après, ça sera l'animation et la cérémonie finale. Pour que cette année la cérémonie finale. Acclame le roi des rois.
En attendant l'arrivée du premier ministre, du sous-préfet, nous vous proposons ici la danse Tika appelée Junakwa. Junakwa, la danse Tika. Nous disons merci, n'est-ce pas, à la danse traditionnelle de Junakwa. Avec votre permission, je m'en vais vous dérouler, n'est-ce pas, les articulations de la cérémonie de tout à l'heure. Juste après l'arrivée de M. le sous-préfet, nous allons prier et cette prière sera dite par un des notables de la place. Après, n'est-ce pas, la prière du notable, ça sera une intermède. Après l'intermède, ça sera le mot de bienvenue et ce mot de bienvenue, ça sera le notable semble-t-il. Et après, nous allons continuer avec le soin de bienvenue, toujours avec cette danse qui venait de prester tout à l'heure. Et nous allons remettre la parole à notre hôte, le prophète Ekané Ferdinand. Après son mot, nous allons remettre également la parole à Sa Majesté, le chef supérieur de Banki. Puis suivez. Puis interviendra, n'est-ce pas, une autre intermède. Après l'intermède, nous allons encore remettre la parole à notre homme. Cette fois-là, ça sera pour la prière et la bénédiction finale. Et on va, n'est-ce pas, donner place au cocktail, l'animation, et ça sera la cérémonie finale. Je vous remercie. L'arrivée de Monsieur le sous-préfet. Ok, ça c'est l'arrivée de Monsieur le sous-préfet. Manquer de pompons, vous voyez, ne vous donnez pas ça. Restons en prière, mais nous allons prier dans notre abattoir. Chez moi, c'est nous, c'est nous, comment les louons pas, c'est nous pour ce long. Au compte à vous, vous voyez, il y a pour acheter au WhatsApp, vous voyez, comment on a croisé le son. Vous qui est que tu as au sens pour faire,
na ko banga mo tanele ko nguyuno prophète ke mo jene ka manga ko la délégation yo abena che ko ruano kanza bon son fono jambe mo te kon konse kanse ka ruano la délégation yo ngene kine no ko yi ko do to ko ruo ka che manga ko mba la semse ka kam mo ton ko manga ruano se sem da ton ko nga ko mo manga ko ben ruo nga to mo assemble 20 allez na chichuma pa ekbetendi sombuto dole ne mangwangwe kuma ka kice kuma ba ne masa oba buwa ka kice kuma ba su sabuto dole udan kuma dole wo oba buwa pa to ne mo sa chi lunde o sa chi nan kuma da yuwa pa sai wuri ku chibla wuce ura buzo ba to shara abu chibi ku yabo ba bu yinde ku yawo sonde buto dole da jinci da jinwa da posane amen. C'était dans la prière d'introduction par le notable Ishmael. Comme je l'annonçais tout à l'heure, nous allons céder place à une intermède. Ça sera Ertas. Je sais pas. C'est la 560 19e édition du gain. Artiste Prince Elkas. Quatre biches. Sa Majesté El Hadj Dadu Ibrahim Rwatika. Motowo Munga. Mon Elkasna. Sa Majesté de la Kassalou Salou Boum. Le grand père de Chika, soyez les bienvenus. Le prince Mbokou Aboubakar,
2023. Présentement, nous allons remettre la parole au notable Samblem Kemé pour le mot de bienvenue. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Bankim, monsieur le maire de la commune de Bankim, honorables membres du Parlement, chers invités, le chef supérieur de Bankim et sa population par ma voix vous souhaite. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Bankim, monsieur le maire de la commune de Bankim, honorables membres du Parlement, chers invités, le chef supérieur de Bankim et sa population par ma voix vous souhaite une chaleureuse bienvenue dans cette somptueuse esplanade de la chefferie supérieure de Bankim. Sentez-vous à l'aise, chez nous, chez vous. Je vous remercie. Merci, notable Samblem Kemé. Soyez de bienvenue, ça va continuer avec la danse traditionnelle que nous avons appelée Zumakon. Vous avez la parole.
cohésion sociale du vivre ensemble. C'est cette danse donc qui introduit notre hôte, le prophète Ekani Pintino. Merci à tout le monde, merci pour l'accueil chaleureux qui est au-delà de nos attentes. Je voulais dire merci à Sa Majesté qui nous a tous donné l'occasion d'être réunis aujourd'hui. Merci à Monsieur le sous-préfet, Monsieur le maire. Merci à Monsieur le divisionnaire Yongeri, je suis honoré de le retrouver ici. Et merci à toute la population et à nos vaillantes femmes et mères qui sont rassemblées ici. Merci à la jeunesse, Tika, qui est rassemblée, et à tout le monde. Je marque ma profonde reconnaissance pour moi et pour mon équipe, à qui aussi je dis merci pour l'amabilité et les disponibilités pour la liste qui que chacun a mis à ma disposition pour m'accompagner de Yaoundé jusqu'ici en Bankim. Et enfin, je voudrais dire merci au Seigneur Jésus-Christ, qui est le fondateur et le créateur de toutes choses, celui de qui la Bible dit qu'il est la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1, dans le texte grec, il dit en archéhel hologos, kai hologos proston theon, kai otheos en hologos. Et Dieu au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et Dieu était la parole. Et la Bible dit, panta di auto egeneto, kai koris auto egeneto ude en ogegonen. Sans elle, rien de ce qui existe n'a été créé. Toutes choses ont été créées par elle. Et rien de ce qui existe n'existe par la parole de Jésus-Christ. Donc nous rendons grâce à Dieu pour cet événement et je voudrais revenir sur l'historique qui a permis que je sois là ce matin. Je sors d'un long voyage et quand je suis revenu, j'ai pris la résolution d'être là le plus tôt possible à cause des multiples occupations qui me sont dues. Donc, je rends grâce à Jésus-Christ qui nous a gardés pendant la route, selon ce que la Bible dit dans Psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel tend autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Nous rendons grâce à Dieu pour la présence de chacun ici. Si nous sommes vivants, c'est par la grâce de Dieu. Beaucoup de personnes auraient tellement souhaité voir ce jour, mais n'ont pas pu. Elles sont mortes. Mais à vous et à moi, Dieu a accordé cette grâce d'être vivant et nous lui sommes reconnaissants. Amen. Je voudrais déjà dire que mes amis voici, ils sont alors. Donc, bien, bien, mon petit monde, mon banquier. Donc, menez-moi, banquier. Voilà. Donc, le second qui veut que nous, mais qui veut pas assis, mais tu as bien, mais tu veux le assis là, et là, au lieu. Donc, c'était une parenthèse. Je sais pour dire que je suis Tika du côté maternel, et pour moi, c'est un retour au bercail. Donc c'est une grande joie, une opportunité. Amen. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est le but de mon voyage jusqu'ici. On est sorti de Yaoundé le matin et on est revenu. Je crois fermement en une chose. Chaque peuple doit préserver sa culture. Et chaque peuple doit préserver le sacré autour de son chef. Aujourd'hui, nous sommes là autour du chef supérieur, Sa Majesté. Et en tant que Tika, je voudrais m'identifier à la grande famille Tika à laquelle j'appartiens. Pour dire que je suis Tika,
et je suis fier de l'être. Amen. Et du côté paternel, je suis Fulbe. Dans mes animaux, je dis maman. Niati Allah Mawati Yamiha Rubeha Yukadi. N'jakamama. Niati Mumbewarubo. Niati Languamimbo. Mohauri Yaminhago. Allawana Mubarka. Allah Upa Mujutan Bali. Allah Yuwa Mudu Ganyu Dejima Kobat. In the Isa Masiyu. Donc, nous voulons reconnaître notre culture, nous voulons la protéger, nous voulons qu'elle soit connue dans le monde entier. Nous voulons que, pas seulement le Cameroun, mais d'autres nations sachent qu'il y a une tribu au Cameroun qu'on appelle Tikar. Tikar. Et vous savez qu'au Cameroun, pour ceux qui ont fait la linguistique, il y a près de 300 tribus, 300 langues. À chaque langue est attachée une civilisation, une culture, des traditions et des us. Alors pourquoi j'ai dit que chaque tribu, chaque langue doit préserver sa culture. Et c'est pour cela que je suis là aujourd'hui. Lorsque j'ai rencontré Sa Majesté à Yaoundé, j'ai vu les photos du Grand Palais, qui est un monument, qui est une vitrine, qui représente tous les Tikar. C'est une fierté pour nous. Et comme vous le savez, c'est un label, c'est une marque déposée qui devrait être la fierté de tout Tikar et surtout des élites, de ceux qui peuvent mettre la main sur la pâte pour que ce beau palais puisse voir son achèvement. Et je suis là pour ça. Il y a un adage en latin qui dit « Hoc volo, si fubeu pros, ratione voluntas » « Je veux et je peux que ma volonté tienne lieu de raison. » Et un autre adage en latin dit « Homo sum, humani nil ame alienu puto » « Je suis un homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. » Ça veut dire que rien n'est impossible à celui qui a la volonté. Si nous avons la volonté, le palais va finir. Dans les Saintes Écritures, l'apôtre Paul a dit la bonne volonté, lorsqu'elle existe, existe en raison de ce qu'elle a et non de ce qu'elle n'a pas. Et Jésus a dit rien n'est impossible à celui qui croit. Donc je suis venu admirer de mes propres yeux le travail qui a été fait et je voudrais témoigner aux yeux du monde entier parce que le monde entier est en train de nous regarder. Que pour voir un chef d'un peuple se lever et bâtir une œuvre mastodonte et gigantesque comme celle-ci, il faut reconnaître que c'est quelqu'un qui a une grande vision pour son peuple. Parce qu'il aurait bien pu utiliser cet argent pour autre chose. C'est une grande chance d'avoir un chef supérieur qui a une vision supérieure comme lui-même est supérieur. Donc, je ne voudrais pas parler longtemps. Je suis venu poser des actes et non pas des paroles, parce que les actes valent mieux que les paroles. Donc, la résolution que j'ai prise à mon niveau, c'est d'apporter ma petite contribution à la suite des travaux de notre palais à nous tous. En sorte que si quelqu'un arrive en Bankim, il s'arrête d'abord ici, demande, et ça c'est quoi là-bas? On lui dit, non, c'est le palais Tikar. Donc j'ai décidé d'apporter une contribution en deux tranches. Et je vais expliquer. Je vais donner une contribution de 10 millions.
je la donnerai en deux temps. Ça veut dire que je vais remettre 5 millions maintenant. Si les travaux des 5 millions finissent demain, on m'appelle, on dit que c'est fini. Apporte-nous nos 5 millions et j'apporte. Donc, je le fais ainsi pour encourager la discipline dans l'exécution des travaux. Maintenant, on verra ce que cet argent produira et après, on va s'asseoir pour faire le bilan. Donc, je voudrais tout simplement m'en remettre à la grande sagesse de Sa Majesté et apporter la modeste contribution. C'est les 5 millions. Ok, merci beaucoup. Vous voyez, ce n'est pas au hasard qu'on a conçu ce programme. Juste après l'intervention du prophète Ekané Ferdinand, nous allons remettre sans plus tarder la parole à Sa Majesté. Sa Majesté remercie toute la population de Kankin pour cette mobilisation. Nous sommes très contents de cette cérémonie. Cette cérémonie, n'est-ce pas, qui est en train de vouloir avancer nos travaux du palais royal. Je suis extrêmement content. Content vis-à-vis, n'est-ce pas, du prophète Ekané, qui, n'est-ce pas, après avoir suivi que les travaux du palais sont en train de s'avancer à Bankim, il n'a même pas pris du temps, il est venu pour tâter les voies de ses propres yeux. Nous, mais nous m'en donnons la déclaration de ministre Ariel Léabi. Je sais, moi je n'ai pas poursuivi de longues études, mais j'ai quand même une vision. Lorsque je suis monté au trône, dans l'histoire, nous savons que nous sommes les géniteurs de Bamou, géniteurs de Banso, géniteurs de Bafia. Alors, il était de bon temps qu'on, n'est-ce pas, qu'on se présente comme ce grand géniteur. Alors, on parle de nous partout, mais dès qu'on revient à la source,
on constate que nous ne sommes rien. Voilà tout ce qui m'a motivé pour prendre, n'est-ce pas, ce projet en main et, n'est-ce pas, le mûrir. Nous disons au prophète, bienvenue. Ces gestes nous stimulent de plus en plus. Et puis, monsieur le prophète, je ne descends pas qu'à voir ce moment. Là, le système de l'homme, il y a un diable. Il y a quoi? Avant qu'il ne parte d'ici, comme il a déjà donné le planning de dépenses, avant qu'il ne parte d'ici, nous aurons déjà dépensé 500 millions. Moi, quand je perçois, c'est pour les travaux et non pour chercher les pommes et non pour chercher les. Pour entrer dans les bistrots, quoi avec mon mener une vie, n'est-ce pas, mondaine. Je ne suis pas là. Mais 5 millions, oui. Pardon. 5 millions. Puisque ma tête travaille tous les jours, c'est même déjà dépensé. C'est déjà fini. Même si vous revenez demain, vous allez voir qu'on a déjà fini les 5. Je dis que déjà mon mot. Mon mot contact. Si ben million pour le temps, déjà, le million pour donner. Mais on y est, le cadre, si tu million pour le temps, je suis pas heureux. Donc, en cas, il y a un peu de temps, nous, il y a un peu de temps. Est-ce qu'il y a un peu de cadre, de père, tout ça, et puis il faut une espèce de clôture. Vous voyez déjà que les 5 millions sont épuisés. Donc, il y a ce bord. Nous vous disons merci et nous allons continuer dans cet élan. Que le Seigneur bénisse au sanctuaire tous ceux qui mettent main pour les travaux de ce palais royal. À force même d'être fier, on peut encore beaucoup parler et gâter encore. Je m'arrête ici. Ce n'est pas qu'on a dit. Ce n'est pas. Vous-même, vous avez dit. C'est la joie et la joie et la joie. Que le Seigneur vous garde lorsque vous avez repoussé le chemin. Vous voyez désormais, si on commence à compter les palais, on va compter notre palais. Nous sommes déjà, n'est-ce pas, dans la lignée. Merci, merci. Ok. Il y a les femmes de Mouchim qui voulaient intervenir tout à l'heure après le mot de Sa Majesté. Femme de Mouchim, femme dynamique, je crois. Alors. Passez aussitôt. Gagnons en temps. Je tiens à rappeler qu'après la prestation des femmes dynamiques de Mouchim, nous allons remettre la parole, n'est-ce pas, au prophète pour la prière et la bénédiction finale. Mais avant le portail, il y aura, n'est-ce pas,
les photos de famille. Et les photos de famille seront orientées. Nous disons merci aux femmes dynamiques dont nous sommes. Et comme il s'agit, n'est-ce pas, du développement, Majesté le chef supérieur de Bankim va présenter son diplôme de mérite du 4e chef traditionnel le plus dynamique dans le développement au Cameroun. Ça, c'est la puissance. Mettons-nous debout, on va prier. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour l'occasion solennelle qui nous a rassemblés ce matin. Merci pour ta fidélité qui s'est manifestée. Je prie pour les autorités de cette ville que tu les bénisses, que tu te révèles à chacune d'elles comprenne. Et Dieu est Dieu et qu'il est souverain. Et qu'aucun homme sur terre, quel qu'il soit, ne peut vivre sans Dieu. Nous avons tous besoin de Dieu. Et je prie aussi que tu révèles à tout cet auditoire que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Que la vie d'un homme ne dépend pas de lui-même. Seigneur, je prie. Et tu nous aides à comprendre la fragilité et l'éphémérité de l'être humain. Le souffle que nous respirons, c'est par ta grâce, Seigneur. Le jour où tu dis que c'est fini, qui que nous soyons, nous mourrons. En cela, nous savons que nous ne sommes rien, mais que nous devons croire en Dieu pour être sauvés. Mais je prie que tu accordes à chacun ici présent, de te connaître, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je prie que la crainte de ton nom soit donnée
afin que chacun comprenne qu'après la mort, il y a une vie. Que la mort n'est pas forcément une fatalité, mais que c'est juste une transition, c'est un rideau qu'on traverse. Père, je prie pour sa majesté, que ta grâce soit sur sa vie. Donne-lui encore de longs jours, de longues années et des années heureuses, dans le nom de Jésus. Nous demandons que le projet qu'il a commencé, qu'il le voit s'achever dans le nom de Jésus. Tu le garderas de ses ennemis, tu lui donneras la sagesse, comme celle des fils d'Issachar, qui avait la sagesse et la science des temps et des saisons. Seigneur, je prie pour Mbankim, je prie pour toute la plaine Tikar, je prie pour la communauté Tikar, pour toutes les autres communautés ici présentes. Seigneur, accorde-nous de vivre dans l'unité, dans l'harmonie et dans une coexistence pacifique totale. Et nous demandons que la sagesse que tu as donnée aux autorités administratives, à monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, à monsieur le commissaire, commandant, et à tous les autres corps armés et civils, la sagesse que tu leur as donnée de maintenir cette partie du pays dans la paix et la stabilité. Seigneur, que cette sagesse augmente. Tu leur accorderas la grâce d'accomplir dans la justice, dans l'intégrité, le travail que tu leur as donné, cherchant l'intérêt du peuple en priorité. Et ton nom sera glorifié. Je te bénis pour monsieur le sous-préfet avec qui nous avons eu une conversation cordiale. Seigneur, tu veilleras sur sa carrière et tu lui donneras en tant que chef de terre de conduire cette partie du territoire dans sa destinée et dans la prospérité au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous prions pour nous qui sommes venus et qui rentrons, que ton ange nous accompagne. Amen. Et que ta fidélité soit notre bouclier. Amen. Je suis reconnaissant pour la manifestation de cet amour que Mbankim nous a donné. La parole déclare, ho te comien non prophétel, eis onum a prophétou, miston prophétou l'emsetai. Quiconque reçoit un prophète, parce qu'il honore sa qualité de prophète, recevra la récompense des prophètes. Amen. Et tu as dit dans ta parole, si vous entrez dans une maison et qu'elle vous reçoive, dites-lui shalom, et votre père demeurera avec cette maison et ses habitants. Je dis shalom en Mbankim. Amen. Je dis shalom aux environs de Mbankim. Amen. Je dis shalom à toutes les familles de cette ville au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous croyons que ce travail sera achevé. Parce qu'il est écrit, Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en vous, l'amènera jusqu'à son achèvement. A toi la louange, la force, la dignité, la souveraineté, le trône, le pouvoir et la puissance, d'éternité en éternité. Au nom souverain de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. C'était donc là la prière, la bénédiction finale faite par le prophète Etani Ferdinand. Comme je l'annonçais tout à l'heure, nous allons passer à la phase de prise de photos, photos de famille, et ça sera orienté. Première phase, le prophète avec les autorités administratives, religieuses, politiques, et traditionnel. C'est bien appelé traditionnel. Okay. Un nouveau jour, un nouveau jour, est à l'horizon, est à l'horizon.
docteur. Le guérir de la chefferie. Maintenant, nous portons la peau avec sa majesté. Les femmes dynamiques pour une dernière. Ok. Présentement, c'est le contact. Suivez l'ordre protocolaire. Au balcon, on a, n'est-ce pas, les autorités administratives, les élites, le prophète et sa suite. L'autorité traditionnelle, dont les notables, c'est ici au rez-de-chaussée. Je vous remercie. Okay.
On va prier s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ce repas. Nous prions que tu le bénisses et que tu bénisses les mains qui l'ont préparé et que le prenions avec action de grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Thank you.
Voilà. Tu vas encore la danse là, tu vas fatiguer là. C'est une autre danse. Thank you.
Yawa. Yawa, bien. Yes, you are welcome. Tu vas souffrir, hein. Vous avez servi, non? Vous avez assez. Ah oui, un jour. Voilà, c'est ici. Je vais mettre un peu de temps.
Ça fait combien? Tous ceux qui sont. Mais attendez, tu vas me laisser, mets la moto. Pas de façon brutale, s'il vous plaît. Ça va? Doucement, s'il vous plaît. Excusez.